Deuxième épisode sur la plaine Dragobée, cette fois-ci de Mario, Paper Mario et la Porte Millénaire. Et n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1, évidemment, si vous ne l'avez pas vu. Évidemment, la base. On va bientôt passer un niveau, d'ailleurs, puisque il nous manquerait 3 points d'XP. Alors, on va voir. On a vu un dragon passer juste au-dessus. Ah, voilà, super. Un ennemi pour gagner des pour gagner un niveau. Aha ! Allez, let's go. Boum, ça dégage. On va taper son pote également. Attends, non, pas saut. Marteau, oui. Vas-y, let's go. Bam. Ah, ça commence bien. Normalement, on a ce qu'il faut. Voilà, le niveau qui arrive. Alors, comment ça marche? Niveau plus. Ah, c'est bon. La stat améliorée. Ah oui, attends. Ok. Attends, c'était quoi les PB? Parce que j'ai amélioré ça. Attends, c'était quoi les PB du coup? C'est les points bonus, hein. Les points badge disponibles pour équiper les badges. Ah oui, si, c'est pour équiper les badges, ok. Ouais, c'est ça. Donc je vais pouvoir équiper un peu plus de trucs après. Ok, cool. Bon, ça ne servira pas après. Ah, super. Il éclaire parfois les attaques. Ah, bah très bien, regarde. Badge, chaud devant. Ah, bah super. Très bien, j'aime bien ce petit système de badge. Ah, punaise, je l'ai pas eu. Bon. Ça, il a pas l'initiative non plus. Alors, saut, oui. Boom. Ok, 2, c'est bon. Aptitude, coup de tête, let's go. Hop là. Bon, j'aime bien le système de level. J'aime bien. Je récupère ça. Il y a un petit tuyau là, on ira après pour voir. Bam. Est-ce que les ennemis repop quand on quitte et qu'on revient à la zone? Ça serait bien. Les chargements sont assez rapides aussi quand tu rentres en combat et que tu sors de combat, donc ça c'est cool. J'ai toujours un petit peu peur dans ce genre de jeu sur Switch de l'optimisation. Après, c'est un jeu Nintendo, souvent l'optimisation des jeux Nintendo, il n'y a pas de problème. Les studios qui bossent avec Nintendo, bon, on pense à Pokémon et des fois c'est pas fifou, mais oh, c'est quoi ça? Ok. Mais pour ce qui est de Nintendo, en général leurs jeux sont bien optimisés. Ok, j'ai envie de voir ce qu'il y a là-dedans, hein, évidemment. Vas-y. Évidemment, moi je vois un tuyau. Ah! Alors, est-ce que je peux me transformer? Non, c'est que sur les plateformes que je peux me transformer en avion. J'ai envie d'essayer de voir. Ah, punaise, ouais, il veut pas. Ah, il veut pas. Il veut pas, peut-être qu'il faudra un double saut ou je sais pas. Non, il faudra pas. On verra plus tard. Ok, faudra qu'on revienne. Hein. Oh bah ça va, je sais plus trop quoi faire, il suffit d'avancer, pas de prendre un idiot non plus. C'est tout droit. Ça va. Pour la durée des épisodes, je ne sais pas encore. Je pense que des épisodes d'une bonne demi-heure, c'est bien pour un let's play. Plus, ça serait trop. Donc pour l'instant, on part sur les épisodes d'une demi-heure. Alors après, si les épisodes sortent sur la chaîne secondaire, c'est qu'on fera le let's play. Si ça sort pas, c'est que bah y aura pas. Enfin, de toute façon, les gens les verront pas. je vais en enregistrer quand même. Alors, la question c'est, voilà, le jeu dure une trentaine d'heures apparemment, entre 23 et 30 heures. La question est de savoir si je vais avoir envie de faire tout le jeu. Donc avant de poster les épisodes potentiels, on va en enregistrer 5, 6, 7. Si jamais, au bout de 5, 6, 7 épisodes faits en stream, j'ai pas envie de continuer le jeu, et bah ça sortira pas sur la chaîne secondaire. Si jamais ça sort sur la chaîne secondaire, c'est que du coup on fait le let's play en intégralité. Voilà, je préfère faire ça comme ça, parce que ça m'est déjà arrivé genre de faire 6-7 heures sur un jeu, et après bah j'avais plus envie de continuer. Ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrivera sans doute encore. Donc j'aime pas, parce que des fois ça fait poster des épisodes,
et parfois les gens me disent ah bah tu continues pas, je dis bah non parce que j'ai fait la boucle de gameplay qui me plaisait au début et finalement ça me plaît plus. Et je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être déçus un peu après, donc voilà. Donc je préfère tourner des épisodes maintenant et me dire ok, si j'ai envie de continuer, je poste le let's play, sinon je le poste pas, ou alors je posterai une grosse vidéo où j'expliquerai un peu les choses avec tous les morceaux qu'on a tournés. Je sais pas encore comment faire. Je ne sais pas. Donc pour l'instant, on se fait kiffer. Pour l'instant, j'aime bien. On verra. Alors, par exemple, Mario RPG, je crois qu'on a fait 8 ou 9 épisodes. On a dû jouer 10-12 heures au jeu. Et puis, bah, j'avais plus envie après, tu vois. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Ça, par contre, c'est possible. C'est possible qu'il y a déjà eu des pauses dans des let's play où j'ai mis 2-3 mois, genre Tears of the Kingdom. Oh, sympa ça. Oh. Tears of the Kingdom, par exemple, je l'ai arrêté pendant 3 mois et je l'ai repris après et on l'a terminé. Tu vois, ça arrive, ça m'arrive et ça m'arrivera encore. Mais voilà, je préfère toujours être clair avec vous. Le principal, c'est que je me fasse kiffer sur un jeu parce que sinon, ça sert à rien de tourner des vidéos et faire des streams dessus. Voilà, enfin, c'est mon point de vue en tout cas là-dessus. Et je pense que ça sera toujours le cas. Alors, bonjour. Vous êtes à Carafleur, ok. Il faut l'endroit que nous n'avons pas eu de visiteurs. Depuis que cette terrible carbocroque survole les alentours, donc le dragon. Le tourisme est en chute libre, bah tu m'étonnes. Jamais étoile, non je ne vois pas. Ok. Ok. On va aller donc ça c'est l'auberge, on va aller checker un petit peu quand même. Peut-être des trucs à récupérer. Ah bah c'est une petite auberge. Ah oui pour le coup on peut pas faire plus petit. Ok très bien, bah merci pour votre lit. Ah bah attends c'est bien ça. Salut. Bonjour, je m'appelle Bulbe. Ok. Fleur magnifique. C'est mignon ça. Bulbe. Ok. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Aïe. Oula, c'est quoi ce mec à droite là encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, il parle carrément anglais. Joli bébé derrière toi. Ok, très bien. Oh, les gens qui parlent le franglais, quelle horreur. Oh la vache. Ah, les gens qui t'appellent chéri comme ça. Tu m'étonnes. Waouh. Angoissant au possible. On va aller voir dans la boutique s'il y a des choses. En plus on a 100 trucs. Oh c'est quoi ça? Temporairement un ennemi tout mou et diminue sa défense. C'est mignon ça. Rend membre du groupe plus dur et augmente sa défense. Attaque les ennemis puissance de 2, retourne ceux à carapace. Ah ça peut être sympa ça. Ouais je vais en acheter un. Et du coup les points s'accumulent aussi. Oh, attends c'est chaud. Je vais en acheter 2. Je vais acheter une fleur quand même. Je me dis contre des gros ennemis, autant acheter des trucs. Après peut-être qu'on pourra acheter des équipements. Non c'est pas un équipement, c'est pas un Mario RPG celui-ci. C'est pas un Mario RPG celui-ci, où on n'a pas d'équipement j'ai l'impression. Là on a vraiment juste des pouvoirs qui s'accumulent. Mais c'est tout. Alors, salut. Général Blanc, je suis un bobon sans plus de rêve ni d'espoir. Je coule ici des jours paisibles, il me faut laisser tranquille. Bah d'accord. Alors voyons voir. Salut. Ah bah dis donc. Le fan de Peach. Je me suis assis où je pouvais. Ah oui là. Ah c'est amusant. Regarde sa tête à chaque fois que je tape dessus. Le mec rentre chez les gens et casse tout. Bonjour à ceux qui débarquent sur le stream. Hello. Alors regarde. Okay. Tout le monde oublie à cause du cabocroc. Ah, t'inquiète, on va sauver ton village mon gars. Ah, y a un truc derrière. Je l'ai vu. Ah, c'est un badge en plus. Coupline, ok. Oui, salut. Il paraît que tu es super fort, c'est gentil. Je parie que tu es venu ici pour terrasser Carbocroc. Ok, ah, attends, ça doit être par la maison que je peux passer. Bah oui, d'ailleurs, c'est la maison rose du mec. Oui, c'est ça, celle que j'ai vu. Il doit y avoir une porte quelque part, du coup, pour aller derrière, non? Attends, je vais le réveiller. Il dort. Non. Des voleurs! Mais non!
Ça m'étoile, oui. Ah putain, il avait perdu la mémoire en plus. Ah, c'est Carbocroc qui a la jamais étoile, ok. Bien sûr que je le connais, bien sûr. Du coup, il va falloir aller le taper. Bien sûr, évidemment. Évidemment qu'on va aller le taper. J'ai pas dit ça. Non, 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 non. Comment tu t'appelles? Mario. Marteau, ouais, super. Mario. Oh putain. Il faut avoir deux clés, la clé soleil et la clé lune. Ok, ces clés sont cachées dans le fort baroque un peu plus loin. D'accord. Marteau, yes. À toi le tueur secret et l'intro de Carbocroc. Très bien. J'aurais bien aimé passer par. Ah, derrière la maison? Attends. Je peux pas, genre. Non. Je sais pas comment y aller. Si, si, il doit y avoir un passage. On doit pouvoir passer par l'arrière de la maison. Je sais pas par où, mais il doit y avoir un passage. Ouais, enfin, à mon avis, il doit y avoir un truc plus tard encore. Ah, à moins que ça soit. Bah non, pas par là, impossible. Oh, dis donc, il s'est fait taper lui. Ouais. Ah, c'est une dragonne en plus. Ah là, c'est pas une porte ça? Ah, putain, je pensais qu'il y avait une porte. Non, pas du tout. Bon. Ok. Oui, bonjour. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est le tout. Attends, peut-être qu'il y a un truc secret. Les secrets du combat. Ah oui, d'accord. Mais c'est juste des conseils, en fait. Oui, c'est des conseils. Ok. Non. C'est bon. C'est une espèce de le manuel de tuto, quoi. Un certain César qui va à Dvielchi se fait gober il y a peu. Ah, j'aurais bien aimé choper le badge qui était derrière. Je sais pas comment. On verra. Alors, bonjour. Oui. Merci. Ah, il va peut-être venir avec nous du coup. Il est trop mignon avec son petit pansement sur la tronche. Que tu avais l'intention d'aller au château. Ouais. Tu veux te joindre à nous? Demander une faveur, ok. Parce qu'en fait, on n'a rien du tout. Au revoir. Mais non, viens avec nous! Attends, 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 attends. Ouais, moi je dis pas non. En plus, il est trop mignon avec son petit pansement. On peut pas retourner le voir. Hein. Bah non, viens. Ah non, il veut vraiment pas. Ok, bon, peut-être qu'il nous rejoindra au bout d'un moment, je sais pas. Allons-y. Alors, est-ce qu'on a des choses cachées là-dedans? Oui. Je sais toujours pas à quoi servent les morceaux d'étoiles pour l'instant, on verra. Est-ce qu'il y a des choses cachées dans les arbres ou pas? Peut-être. Non. Ah, le remix des musiques est cool. Hein. Ah, il a un bloc derrière lui. Attends. Est-ce que je peux taper le bloc? Vas-y. Ah, ou alors c'est un bloc que lui peut utiliser. Je fasse gaffe, peut-être. Ok, donc je l'ai retourné. Je peux pas bouger. Ouais, c'est ça, je pense qu'il pouvait utiliser le bloc et nous faire des dégâts avec. Enfin, on gagne que 5 points, pas énorme. Pas énorme avec eux. Ah, un petit bouge là-bas. Ouais, j'arrive, j'arrive. Ça marche. Alors.
Ah, c'est quoi ça? Il a un rocher avec lui, c'est pour t'attaquer. Quoi? Mais dans quel monde les spectateurs m'attaquent? Mais dans quel monde? D'accord, très bien. Expulser les spectateurs qui sont de tenir des projectiles. Ah, c'est des haters, mais de l'époque, en fait. Très bien. Je vois. Je vois. Bah, excellent. Donc là, ça va le retourner, c'est ça? Ah non, je pensais que ça allait le retourner. Oh, cette idée! Ah, mais on peut faire s'écrouler les décors aussi. Un simple coup, tu fais s'écrouler le décor. Ok, très bien. C'est original. Pour le coup, je trouve ça super original. Donc on va faire attention à ce qui va nous attaquer. Voilà, bloqué, ça c'est bon, on n'est pas mauvais. Dame. Et bah nickel. Je vais écraser ça. Hop là. Oui, il y a quand même pas mal d'ennemis, j'aime bien. J'avais un peu peur qu'il n'y en ait pas suffisamment. Après, j'aurais bien aimé qu'il y ait des combats genre aléatoires. Tu sais, pour essayer de farmer un peu l'XP. Je pense pas que ça soit le but du jeu. Donc je pense pas qu'on en ait. Mais j'aurais bien aimé. Je pense pas que ça soit le but non plus, comme je disais. Ça, c'est un peu mon problème dès qu'il y a des combats comme ça et de l'XP. J'ai envie de farmer, je pourrais passer des heures à farmer de l'XP dans ce genre de truc. Final Fantasy dans mon cœur. Allez hop. Parce qu'en fait on est sur un truc qui est finalement assez linéaire dans son évolution. C'est-à-dire que le jeu t'oblige à battre tel ou tel ennemi. Et c'est pas toi qui peux dire, ok, bah à tel moment, je veux pouvoir me battre un peu plus pour avoir un peu plus d'XP, peut-être pour avoir un niveau plus haut, etc. Donc finalement, il y a une timeline assez à respecter en termes de puissance, j'ai l'impression quand même. Ok. Oula. Problématique, comment je fais? Oula. Pas sensible au feu. Ah ok. Faut utiliser le bloc. Très bien. On s'est noté. Ok, ça ne fonctionnera pas sans le bloc du coup. Ok, bon, j'ai réussi à les esquiver. Ah ouais, je suis obligé d'utiliser le bloc. Vas-y. Ok. Ouais, attends, tu chopes 10 points. Ah, mais par contre, ça coûte cher hein, s'il faut utiliser un bloc à chaque fois. Ah non, j'ai cassé les deux en même temps. Cool. Et c'est pour ça qu'ils nous ont donné un bloc dans le combat juste avant. Je comprends rien. Sinon, tu pouvais pas avancer. J'ai l'impression que Mario il clignotait. Aïe! Ouf, vache! Pas vu venir celui-là. Aïe! Saut. Oui. Vas-y, claque-lui la tronche. Ah, j'aurais pu faire un coup de marteau en fait. Ça aurait fait s'écrouler le décor. Hein. Et ouais, attends, je vais le tenter. Est-ce que ça marche? Non. Pas celui-là. Marteau, vas-y, classique. Bon, je suis assez satisfait quand même de ce que le jeu propose. J'aurais aimé peut-être que on a un peu plus d'XP dans les combats. Parce que ça, tu prends du temps à monter.
Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses cachées partout, donc on reste fidèle aussi à cet univers. Pour ceux qui ont fait le jeu à l'époque sur GameCube, vous sauriez me dire ce qui change un peu, ou est-ce que finalement on est exactement dans la même chose, mais retravaillé un peu niveau graphisme? Ah, tiens, il y a des trucs dans les arbres. Je pense que peut-être qu'on est dans un truc un peu plus clean, mais entre guillemets c'est tout, c'est pas négatif, au contraire. Mais je pense que... Je sais pas du tout s'il y a des choses qui ont été rajoutées, des choses qui changent, etc. par rapport à l'époque. J'aurais bien aimé savoir. Elle est bien là. Paf. Il a l'air vraiment sympa, mais ça cause quand même beaucoup pour moi. Oui, ça cause un peu... Voilà, ça va. Là, ça cause pas beaucoup là, mais... à certains moments où, ouais, tu te dis voilà, j'ai envie d'avancer quoi. Là ça va, là en vrai, tranquille. Là ça va. Et le petit remix des musiques aussi, j'aime bien. Ah oui, alors par contre c'est pas du tout les mêmes ennemis que tout à l'heure, pour le coup. Faut utiliser les blocs encore. Ok, vas-y. Alors. Aïe aïe aïe. Évidemment. Mais blocs, directement, objet. Attends, ce que je vais faire c'est que je vais changer. On va la faire, elle, utiliser le bloc. J'en ai toujours les plusieurs. J'ai bien fait d'en acheter un peu, quand même. Après, je trouve que, en termes de sensations, c'est plus agréable que Mario RPG. C'est-à-dire que ça parle, mais... Voilà, c'est pas non plus... Pour l'instant, ça va. C'était un peu trop, mais pas non plus de façon rebutante. Voilà. J'étais fan de Mario le pas crétin. Et comme tu dis souvent que tu es fan de XCOM, je l'ai pris pour jouer sur mon Mac et j'adore. Ah, très bien. Ah, XCOM est merveilleux. Enemy Within, et pense à prendre l'extension également Enemy Unknown. Et du coup l'extension Enemy Within qui est incroyable. XCOM 2. Ah oui, alors le 2 est moins bien que le 1. Mais oui, très bon choix. Le 2 est moins bien que le 1. Il y a plus de personnalisation mais il est moins bien. Saut. Ah bah attends, j'aurais peut-être dû essayer le... l'autre avec le marteau pour faire tomber le truc. Attitude, objet. Non, vas-y. Le 1 est encore mieux. Ça parle pas autant que Persona. Ah oui, alors. Ouais, niveau comparaison. Évidemment, niveau comparaison, ouais. Tu m'étonnes. Ouais, mais Persona, c'est aussi tout un univers très à part aussi. C'est. Ouais. Persona, t'es obligé de parler. Mario, t'es pas forcément obligé de parler, tu vois. Mario n'a jamais eu besoin de parler pour se faire comprendre. Voilà. Oui. Bon, après, on peut pas comparer les deux. Persona, ça parle, évidemment. Bah, Persona, il y a un lore qui nécessite ce blabla. Bon repos. Ah, d'accord. Ok, un somme gratuite. Très bien. Allez, viens là, mon cochon. Ah punaise, ah si je l'ai chauffé, c'est bon, je l'ai eu. Alors c'est juste derrière moi qui m'embête, donc ce que je vais faire c'est que je vais intervertir. Peut-être, oui. Voilà, comme ça on est bon. Et ensuite j'enchaîne avec le saut. Boum, parfait. Comme ça le décor ne tombera pas sur la tête parce que du coup je l'ai vu le petit d'arbre. Aptitude, coup de tête, oui. Alors, saut, ouais. Ok, ça c'est bon. Alors. Alors, je récupère. Je vais taper là-dessus. Je tape là quand même au cas où. C'est quoi ça? Ah, c'est pour récupérer toute ma vie, ok. Ok. Oui, il faut des pièces. Ok, c'est sympa. Le mécanisme est sympa. Ok. Alors, petite sauvegarde, oui. Ah, mais dis donc. Alors, niveau des plans. Ah, il s'est. Punaise. Niveau des plans, je l'avais pas. Ça va, on a sauvegardé juste avant. Donc ça va. J'accepte le combat, évidemment.
Ah, trop stylé. Ah, mais du coup, c'est pas un combat. Le super stress quiz. D'accord. Réponds correctement à 5 questions, donne 3 mauvaises réponses, je vais regretter. D'accord. Première question. Que peut-on trouver caché dans le fort baroque? La clé soleil, la clé lune. Oui, je suis sûr. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est une bonne réponse. Bah, évidemment, c'est une bonne réponse. Évidemment, c'est une bonne réponse. Attention, ça va se corser. Ok. On continue tout de suite. Vas-y. Deuxième question. Combien coûte un champignon plus une fleur de feu? Je crois qu'ils sont tous les deux à 5 pièces. Ah, attends. Ils sont tous les deux à 5 pièces. Ouais. Ah, merde. Zut. Je pensais qu'ils étaient à 5 pièces. Je sais plus. Troisième question. Quel est le nom du patriarche de Carafleur? Oh, punaise. Oh, punaise, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, allez, vas-y. Moi, j'hésitais entre celui-là et le premier. Et bah, c'est bon. J'hésitais entre celui-là et le premier. Ok. Quatrième question. C'est parti. Où se trouve la Jeune Étoile? Au château de Carbocroc? Bah oui. Ok, on est bon. Alors attends. Alors. Alors. Cinquième question. Allez, c'est parti. Comment peut-on aller de la Port-la-Canaille à la plaine Dragobé? Par un tuyau. Oui. Bah, j'ai eu 4 sur 5, du coup, j'ai pas tout eu. Pas eu tout bon. C'est la difficulté supérieure, ok. Sixième question. Quel personnage peut-on trouver à Carafleur? C'est Fusil, non? Le mec, là. Le mec un peu chelou. Ah bah non. Attends, j'en suis déjà à 2 mauvaises réponses. Punaise. Je pensais que c'était le mec bizarre. Ok, dernière question. Dernière question. Jamais, Demon. Bah, 7ème. Oui. Bah, vu que celle d'avant était la 6ème. Ok. Voilà, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Pa 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 pa. Voilà, monsieur, voilà. Par les chaussettes du dragon, tu m'as battu, morveux. C'est bon, tu peux passer. Merci, merci. Ah, j'étais en stress, moi, c'était la dernière réponse. Non, il m'a fait douter en plus. Parce que je me suis dit, ça se trouve, il est tellement fourbe qu'en fait, il m'en a posé 6. Et quand il a posé sa 6ème question, il m'a... Dans ma tête, il se passe des trucs. Quand il m'a posé sa 6ème question, ça se trouve, c'était la 5ème. Et donc, du coup, quand il me pose la 6ème question, ça se trouve, en fait, fallait dire 6ème. Parce qu'en fait, il avait fait exprès de m'embrouiller à la question. Voilà, tu vois. Dans ma tête, il se passe des trucs. Faut pas chercher plus loin. Voilà, d'accord. Bon, voilà. Voilà, voilà. Bon. Ouh. Ah, sauter sur vos amis en restant les... Attends, c'est un badge? Oh, dis-moi que c'est un badge. Incroyable, le multibon. Ça, c'est validé. Ah, ça va commencer à me plaire s'il y a des badges qui font qu'effectivement on peut attaquer plusieurs ennemis en même temps comme ça, en sautant. Ça va me plaire. Ça va me plaire. Alors. Ça va bien me plaire. Alors, par contre, c'est marteau directement, eux. Que si je leur saute sur la tête, je sais très bien ce qui va se passer. Ouah, attends, ils ont plus de vie que ce que je pensais. Est-ce que la fleur de feu... Je pense que la fleur de feu, c'est sur les 3. Ah, mais c'est eux, les fusils. Ok. Bah, je pensais que c'était le personnage qui s'appelait Fusil. Ah bah voilà, très bien. Bah, j'aurais dû faire ça dès le départ.
tout, on va bientôt passer un level. Et ça va bientôt être la fin de notre deuxième épisode déjà. C'est bien une petite demi-heure, ça fait des petits épisodes à regarder par jour. Je trouve ça bien une petite demi-heure d'épisode. Je trouve ça cool. Bah allez, boum. Pour le coup, je vais... Ah oui, alors, non, je vais pas réutiliser la fleur. Ça m'embêterait d'utiliser la fleur pour juste ça. Non, je vais pas faire ça. Je vais les taper direct. Alors, le bon, non. Marteau, oui. En fait, c'est mon autre personnage. J'aurais aimé qu'elle ait une attaque qui me permettait... Qui me permette de taper sans avoir à sauter dessus. Ça aurait été bien. Malheureusement, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, d'accord. J'ai cru qu'il allait me ponctionner de la vie. Bah écoute, je vais faire le super marteau. Comme ça, au moins, je le claque en une fois. Vas-y. Boum. Ok, on est bon. Ça, c'est good. On va checker ce qu'il y a par là. Ouh. C'est la clé lune, du coup? Ok, c'est la clé lune, ok. Ah! Très bien, bah, super. Alors, ils sont combien? Bon, déjà, on va passer un level, ça c'est cool. Dis-moi qu'ils sont 3. Oula, y'a du monde. Oh, bah t'inquiète. Oh, bah alors là, t'inquiète, popiette. Fleur de feu, bim! C'est quoi son petit truc? C'est un objet pour moi ou c'est un objet qu'il peut utiliser? Ah là là, on aime! On aime! 12 points d'XP, c'est validé! Voilà, ça j'aime, ça j'aime. Donc, petit niveau supplémentaire. Je vais pas prendre les points badge, parce que j'en ai déjà acheté avant. Je vais augmenter mon nombre de points fleurs, parce que ça part très vite, j'ai l'impression, et ça pourrait nous être très utile. Et ça nous redonne toute notre vie en plus. Non, j'aime bien ce système de PV, ce système d'XP, et ce que ça nous apporte. T'as une vraie montée en puissance. Davantage que dans Mario RPG, je trouve. Mario RPG, je trouve que la montée en puissance était pas assez significative. Là, t'as vraiment cette sensation. Donc c'est assez chouette. Puis visuellement, il est cool. Hein. Visuellement, il est assez cool. Bon, les ennemis ne repopent pas entre les tableaux, par contre. Donc voyons voir. Ça va, la clé soleil, j'ai l'impression. La clé soleil et la clé lune, ça va, ils sont pas trop difficiles à atteindre, j'ai l'impression. Ouais, le jeu est très joli. J'aime beaucoup. J'aurais bien aimé qu'on puisse augmenter à la limite la force de Mario qui aurait permis potentiellement. Potentiellement d'accroître les coups, en tout cas les dégâts qu'on fait avec le marteau. Ça aurait été pas mal. Ouais, ça c'est un peu compliqué, je sais pas comment. Ah oui, d'accord, en fait, c'est ça, il me ponctionne de la vie, c'est bien ce qui me semble être tout à l'heure. Marteau, coup fort, oui. Là c'est bon, là, on l'a claqué. Si jamais j'en ai plus de 2, j'utiliserai la fleur. Pour 1, ça vaut pas le coup. Ah, pour deux, ouais. Pour deux, ça vaut pas le coup, clairement pas. Tiens, viens là, toi. Viens là, Bernardo. Boum. Voilà, ça, c'est bien. Donc, fleur. J'en ai encore ou pas? Ta vidéo avec Olicap, j'ai pris plein de passants que j'aime. Merci à toi, et merci pour eux, du coup. Oui, très content de mon interview d'Olicap, qui durait une heure, l'interview, avec 3 développeurs différents, mais quel plaisir de pouvoir vous proposer ça sur la chaîne. Je sais que c'est sans doute pas la vidéo qui sera le plus regardée, évidemment, parce qu'une vidéo d'une heure d'interview de développeurs, il y a des gens que ça intéresse pas, mais je suis très fier de l'avoir faite, et j'en referai avec grand plaisir sur la chaîne dans le futur. Il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres, compte sur moi. C'est une très belle opportunité que de pouvoir faire ça. Allez, le nid qui tombe. Est-ce qu'il m'a une fleur? Je crois que oui. Ouais, puis en plus, c'est vraiment ce qu'il faut. Pipap, pipou. J'ai eu raison d'en acheter, punaise. J'ai tellement eu raison. C'est vraiment l'objet indispensable. Hein. Hop là, ça me donnait pas mal d'XP en plus. C'est quoi, 12 encore? Très bien.
Bon, on a nos deux clés. Apparemment, en termes d'heures de jeu, on est entre 25 et 30 minimum. Apparemment. Minimum. C'était dit bizarrement. Oui, je me fous de ma propre gueule. Et alors, oula, oula. Miam miam. T'as pas envie d'entrer comme ça chez nous? Non, ça va. Je vais t'apprendre, moi. Vas-y, bien. Bah! Allez, vas-y. Bon, je peux pas lui sauter sur la tronche, par contre. Il est tout seul ou il a des potes à lui? Il est tout seul. Marteau. Attends. Attends, attends, attends. On va se mettre en défense. Et ensuite. Il y a un moment qui m'a surpris dans cette vidéo, tu as dit qu'on est tous habitués d'aller de gauche à droite, mais c'est vrai. Bah bien sûr que c'est vrai, bien sûr. On est tous habitués à aller de gauche à droite. Et c'est là-dessus qu'ils ont joué aussi en jeu. C'est ça qui était cool. J'aurais peut-être dû l'identifier pour savoir combien il avait de PV. Attends, tu vas voir. Tous avec moi. Ouais, là il a ses potes qui arrivent. Oula, 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 oula. Pardon, mais quoi? Non mais toujours plus. Oh vas-y fleur de feu. Vas-y. Vas-y déglingue-les. Déglingue-les. J'aurais trop aimé que Attends. Vas-y, je tente le bloc mystère. Vas-y, je tente. Enfin, le cadeau. C'est quoi? Ah, champignon. Bon. Bon, ça me redonne de la vie au moins. Ça me va très bien aussi. Putain, j'arrive pas à l'esquiver, hein. C'est incroyable. Merci Père Noël pour ton sub. Merci. Je vais essayer le bloc pour voir. Merci beaucoup pour ton 7ème mois de sub. Ah, ça leur fait des dégâts quand même. Ouais, mais attends, mais du coup. Attends, si, regarde, j'ai le multi-saut, j'ai le multi-bon. On va le faire. Enfin, attends, ça ne fait que 2. Ah! Ah, ben voilà! Très bien! 20, très bien. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Bon, ça sera peut-être sur un épisode qui durera un peu plus d'une demi-heure. Il nous a eu! Absolument. Allez, ça dégage! Dégagez, messieurs, dames! Hop là! Merci, Lucifer coffre 10 subs, mais t'es adorable. Merci beaucoup, c'est adorable. Alexan, Fuji, Timo, Le Baron, Lola, Marthe, Luke, Kat, FF et E-Boy. Merci. Mais Lucifer, merci du fond du cœur. Merci énormément. La générosité de cette personne. T'as 900 subs offerts sur la chaîne. C'est insane. C'est n'importe quoi. Non, je te jure. Attends, oui, consulter tes mails. Vas-y. Attends, vas-y, lire le mail. Mail. Ok, j'attends qu'impatience sa relation sur les jambes étoiles. Reste prudent. C'est tout? C'est juste pour me dire ça? Le mec m'écrit pour me dire reste prudent. Mais monsieur, enfin. Alors attends, par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va intervertir. Ah! Se plie sur la gueule. Ah, il y a Luigi dans le public, je viens de le voir. Ah ouais, t'es un ouf, merci beaucoup. T'es ouf. T'es ouf. Marteau, coup fort. Ah, non, marteau, ça va suffire, non? Ah, je pensais que ça suffirait. Ah punaise, j'ai pas réussi à esquiver. Et Luigi, il peut m'aider ou pas? Un peu. Non, il veut pas. Ah mais quoi? Ah c'est bien ça, donne. Non, j'aurais pas dû. Non. Ah, il voulait m'aider, le pauvre. Ah, le pauvre. Ah, le pauvre, il voulait juste m'aider en fait. J'aurais pas dû, j'ai vu le bouton, je vais appuyer. Bon, bah tant pis. Pa, 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 pa.
Alors ce jeu est sorti sur GameCube. Il est sorti sur GameCube celui-ci. Bah écoute, on est pas mal. Je peux lui sauter sur la tronche. Ah, ça va rien lui faire. Ah si, il prend un dégât quand même. On va changer... Aptitude, coup de tête, oui. Tranquille. Bon, je fais le multibombe. Ah bah non. Bah oui, forcément Mario. Forcément, il avait un pic sur la tête. Ça se voyait. Ça se voyait quand même. Marteau. Ouais. Boum. Du coup, est-ce que je claque 5 petites pièces pour aller me soigner? Je sais pas, je suis en hésitation. Non, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, en vrai. Alors, me spoilez pas sur le jeu, parce que c'est la première fois que je le fais, moi. S'il vous plaît, ne me spoilez pas. Merci. Alors, mais merci à toi. Merci d'être passé, c'est gentil. Ok, ils sont sur le sol. Aptitude, coup de tête, oui. Ok, ça, ça dégage. Il reste l'autre pote. Nickel. En fait, ça aurait été intéressant, peut-être, de... Ou au pire, j'irai à l'hôtel. Hein. Au pire. Ah, attends. Évidemment que je récupère tout ça. Évidemment. Sirop de miel, ok. Paf! Bah, je voudrais terminer l'épisode à un endroit qui permette de le terminer quand même. Oh, j'aurais aimé que ça soit le décor qui s'écroule d'un coup là. Après, est-ce que si je fais un coup. Ah non, j'en ai pas ça. Attends, je vais tenter la technique spéciale, vas-y. En fait, je peux le faire autant de fois que je veux. Je pensais que j'avais pas suffisamment d'étoiles, mais en fait, si. Voilà. En fait, je peux le faire autant de fois que je veux. Ok. Parfait. Bam. Allez, vas-y, essaie de me rentrer dedans. Ah, quasiment bloqué. Marteau, oui. Bah, le décor s'effondrera pas comme ça. Hein. Ah, peut-être avec un coup de marteau supplémentaire. Hein. Qui sait? Marteau, ouais. Allez. On est good. Tranquille. Ouais, je le claque lui. Paf. Ouais, tu vois, on sera sur 45 minutes pour l'épisode. Ce qui est pas mal. Ah, punaise. J'ai trop parlé. Ah, j'aurais pu l'avoir en plus. Quel idiot. Bon, tant pis. Bon, je le claque lui. Qui remarque? Il avait 3 de vie, non? Je sais plus. Ok. Bon, ça reviendra au même de toute manière. On est quel jour? On est jeudi en plus, je crois, aujourd'hui. Hein. Je crois qu'on est jeudi. Mais oui, on est jeudi, puisque le jeu sort le jeudi maintenant. C'est cool. On va pouvoir pas mal streamer cet après-midi aussi et faire des jeux indés. Ça va être cool.
J'ai pas mal de jeux indés à faire. Est-ce que j'ai encore craqué sur Steam? Oui. Est-ce que vous êtes étonné? Non. Est-ce que ce sont des roguelites? Oui. Est-ce que vous êtes étonné? Non plus. Voilà. Ouais, mais bon. Voilà, comme je vous spoil un peu. je vais tourner. Hop. Ok. Petit coup de marteau sur la tronche. Paf. Allez hop, ça dégage. Bientôt repasser un niveau quand même. On a eu pas mal d'ennemis à la chaîne en vrai. Hein. Ah, mais vous comprenez pourquoi il y a quelques temps je vous disais, il y a encore un an et demi en arrière, je vous disais, je suis content en fait d'avoir la Nintendo Switch et de plus être tout le temps sur Steam parce que je dépensais trop d'argent à l'époque. C'est ce que je vous avais dit quand il y a eu la Nintendo Switch et que j'étais content que du coup les jeux indés sortent sur Switch parce que finalement j'avais la possibilité d'acheter des jeux indés quand ils sortaient, qu'ils étaient triés, etc. et plus m'aventurer dans les méandres de Steam. Et du coup depuis que j'ai le Steam d'accolade, évidemment bah du coup je suis toujours sur Steam. Et en fait, je fais du lèche-vitrine constamment sur le Steam Store. Et du coup, bah voilà. Mais en plus, je ressors avec des jeux qui coûtent 4-5 euros. Donc, ça coûte pas grand-chose une fois. Et puis, t'en achètes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Et puis, tu fais, ah oui, quand même, ça commence à... Ça, oui, bon, quand même. Voilà. Oui, d'accord, très bien. C'est pour ça. C'est pour ça, voilà. Ah, c'est toujours comme ça. Moi, j'adore faire du lèche-vitrine sur les stores. Et ce qui fait que je tombe toujours sur des pépites. Toujours. Voilà. Alors. Ah. Cher, votre invitation à la lettre, l'information, vous avez été inscrit par Monsieur Gumstein. Préparez-vous à recevoir régulièrement des informations fabuleuses. Ah bah oui, tiens, super. Super, merci. Alors, attends. Il faudra qu'on aille... Bon, on va aller le voir tout de suite. Attends, vas-y. Ah et du coup après je fais des vidéos sur les jeux et vous repartez avec les jeux, c'est possible. C'est possible. Ça c'est bien toi Marteau, tu as trouvé la clé soleil, la clé oui. Bon courage, je compte sur toi pour nous débarrasser de ce dragon. Ah oui du coup il y a un tuyau secret qui peut utiliser les clés. Attends je vais retourner par là-bas. Déjà il faut qu'on passe la... Il faut qu'on passe à l'auberge. Attends déjà on va faire ça. Bah écoutez on va sauvegarder là, ça va être la fin de notre deuxième épisode parce qu'on a quand même bien avancé je trouve.